calcule l'intensité du champ électrique d'un électron à la distance d'un angström. Un angström vaut 10 exposant moins 10 mètres. La charge électrique d'un électron vaut moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Nous souhaitons calculer l'intensité du champ électrique créé par cet électron à cette distance petit r d'un angström. Un angström vaut 10 exposant moins 10 mètres. On appelle cette unité de longueur angström en honneur du physicien suédois Anders Angström. Ce que nous cherchons, c'est l'intensité de ce champ électrique que nous exprimerons en newton par coulomb. Pour trouver cette intensité, nous allons appliquer cette formule-là. L'intensité du champ électrique E est égale à K0 fois la valeur absolue de la charge qui crée ce champ électrique divisé par la distance R au carré. Dans notre exercice, nous avons donc grand E égale K0 fois la valeur absolue de la charge de l'électron divisé par cette distance R au carré. Nous remplaçons K0 par 9 fois 10 exposant 9. Nous remplaçons la valeur absolue de la charge de l'électron par 1,6 fois 10 exposant moins 19. Et nous remplaçons petit r par 10 exposant moins 10. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. 9 fois 1,6, ça donne 14,4. Ensuite, nous avons 10 exposant 9, 10 exposant moins 19, et au dénominateur, nous avons 10 exposant moins 20. Nous plaçons cette puissance au numérateur où elle devient 10 exposant 20. Par conséquent, nous obtenons 14,4 fois 10 exposant 10 et écrit sous forme scientifique 1,44 fois 10 exposant 11. Donc l'intensité grand E du champ électrique qui est demandé vaut 1,44 fois 10 exposant 11 newtons par coulomb.